ensemble la signature de convention avec le partenariat avec notre deuxième champion, le Taekwondo, l'OSI Sintrebusi, qui a 25 ans aujourd'hui. C'est un champion mondial de Taekwondo en 2013, champion arabe en 2015. Il a rejoint bien sûr le team Citroën à côté de Habib depuis le mois de mars. On a préféré ne pas faire l'annonce tantôt parce que justement il se préparait pour le tournoi du WTF auquel il a participé. Donc on a préféré garder un peu le silence sur ce partenariat le temps qu'il termine sa compétition. Avec les budgets limités de l'État, des différentes fédérations aujourd'hui, il est très important dans cette dernière ligne de droite d'accompagner ces jeunes champions. Avec tous les moyens matériaux, moraux, logistiques, avec tout ce qu'il faut pour les faire aboutir déjà. Mais derrière, sachez aussi que nous allons faire et profiter du rayonnement de ces 5 champions pour constituer une nouvelle génération de jeunes sportifs. La question est pourquoi avons-nous choisi Sintrebusi ? Il y a tant d'espoirs sportifs en Tunisie, tant de jeunes qui peuvent justement bénéficier de ce partenariat et de ce soutien. Pourquoi ici ? Ben parce qu'on a trouvé, et Sintrebusi, les valeurs qu'on recherchait. Les valeurs que nous avons annoncées lors de notre signature de partenariat avec lui, à savoir l'espoir, le respect des valeurs, l'optimisme et la persévérance. Yassine, malgré son jeune âge, il a un parcours et un palmarès extraordinaire. Le peu de moyens qu'il a reçu, le peu de moyens qu'il avait, il a vraiment réalisé un parcours de combattant. Aujourd'hui, Yassine a son compte, entre autres, la médaille de bronze au champion du monde en 2013, de Corée, Yassine, si je me trompe, la médaille d'or des champions d'Europe des clubs en 2014, la médaille d'or en Swiss Open 2015, la médaille d'argent à l'US Open 2015 et la médaille d'or au championnat arabe 2015. Entre 2014 et 2015, Yassine a remporté 12 médailles à l'échelle nationale et 25 médailles à l'échelle internationale. Donc, un vrai champion, très peu connu par l'ensemble des Tunisiens, mais c'est un vrai champion des athlètes. Donc ici, comme je vous l'ai dit, il a participé récemment au WTF et bien qu'il n'a pu atteindre que le quart de finale, mais il reste notre champion quand même et nous continuerons justement à le soutenir, promouvoir son image pour les Jeux Olympiques Rio 2016, Inch'Allah, à côté de Habib. Le but aujourd'hui, c'est de rendre à la société un peu de ce qu'elle nous a donné, et sur le long terme. Ça fait partie de la responsabilité sociétale de notre société et de notre marque. On met tous les moyens possibles à la disposition de ces jeunes sportifs. Tout ce qu'on leur demande, c'est de se concentrer sur le sport, sur les compétitions, sur les prochaines étapes, et de ne pas se faire des soucis sur les budgets, sur les dépenses, comment couper court dans les voyages, au lieu d'aller direct, ils sont obligés parfois d'emprunter 4-5 escales pour minimiser le coût du billet. Imaginez dans quel état ces jeunes sportifs arrivent à destination. Très souvent, ils arrivent un jour avant, ils n'ont même pas le temps de se préparer, de récupérer, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir payer les hôtels. Donc tout ça fait partie justement des conditions à mettre en place à ces jeunes sportifs pour qu'ils soient le mieux préparés pour réussir ces nouveaux challenges. Vous dites à l'âge de 8 ans, c'est Medine Aïchekar. Donc comme arabe et comme arabe, c'est que l'entraîneur tient à mon jeu des clubs par des jours à l'heure de Khadr. Donc la question est que je dis que je suis allé dans la Jamaïa d'ailleurs. Avant que la Jamaïa soit une taille خاصه, parce que on est Jamaïa. Baba d'ailleurs comme baba m'a dit que je jouais au Barça, je faisais du taekwondo, je faisais du sport d'ailleurs. Donc je suis allé dans le club
primaire. هو اللي عندي صار يقرا معايا قال لي معناها اجى معنا علاش ليه ما تجيش تعمل معنا سبور وتعمل معنا تايكوندو قلت له شنو هي تايكوندو قال لي اجى وتشوف مشيت نشوف تايكوندو ولا عجبني برشا بابا قيدني في التايكوندو كنت ندفع قبل 7000 7000 باغ موا ومن بعد كان بشويه بشويه وليت جمعيه اي بون وخدمنا برشا وعاملني برشا الكوتش نتاعي ما نعرفوا نحن في دي سبور انديفيديوال معناها في تونس ما عندناش برشا دي سبونسور وكل شيء معناها اليوم نفرح كي نلقى سيتروين تونيزي يقف معايا في الباركور نتاعي وتعاوني جو بارتاج معايا في سيتروين لي فالور لي تشالنج كي ما نعرفوا الاوبتيميزم لي ديفي دونك اليوم انا جو معناها تري تري فيير d'être avec Citroën. Merci. بالنسبة لياسين طرابلسي على قد ما احنا انجاجي ومتعاقدين معه على مستوى الدعم المادي المعنوي اللوجستي لمدة سنتين 2015 و2016 قد ما هو متعهد انه يواصل النشاط نتاعه والتحضيرات لجوز اولمبيك 2016 بنفس النمط بنفس مستوى الاخلاق مستوى الانجاجمون للحفاظ على سمعته وعلى سمعة تونس وعلى حتى سمعة السبونسور نتاعو اللي هو احنا سيتروين والدعم هذا مش متمثل في تونس فقط حتى خارج التراب التونسي وين ما يمشي ياسين فما فريق كامل عندنا متواجد يتبع في حبيبه ويتبع في هو بالتنسيق مع ديبارتمون ماركتينغ وسبونسورينغ سبورتيف بارتيكوليرمون في سيتروين فرنسا حيث الدعم والمتابعه والمحاطات موجودة من تونس وفي فرنسا وإن شاء الله حتى في ريو 2016 حتى الفريق متاع سيتروين المتواجد في البرازيل مش يكون حاضر ومواكب ومدعم ياسين طرابلسي على مستوى ريزو سوسيو على مستوى الإعلام معناه هو والحبيب والشامبيون متاعنا الكل مش عندهم الدعم هذا